That was when you were born. Just in the same way as you don't focus your attention on how you make your thyroid gland function, so in the same way you don't have any attention focused on how you shine the sun. So then, let me connect this with the problem of birth and death, which puzzles people enormously as well. Because in order to understand what the self is, you have to remember that it doesn't need to remember anything. Just like you don't need to know how you work a thyroid gland. Salut, bienvenue sur la chaîne. Comme vous pouvez voir, je suis en pleine campagne. Je suis spécifiquement chez mes parents et je suis en train de marcher pour gravir une montagne pour avoir un point de vue magnifique sur la région de mon pays. Entre-temps, en attendant d'arriver à ce point, je voulais vous parler d'une série encore, c'est une LCR. Putain, il y a trop de plantes, je vais avoir des tiques partout. Parler d'une série, encore une fois, c'est Passepartout qui me l'a mis entre les mains. Il m'a dit, regarde cette putain de série, elle va te faire le cul. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, je marche dans une forêt vierge, je suis paumé dans la montagne. Donc, cette série s'appelle Au service de la France. Oui, je vous l'accorde, le nom n'est pas très vendeur. Ça fait un peu peur, ça fait un peu série française, sociale, bizarre. Donc un peu documentaire, mais pas du tout. Cette série est une série française, certes, écrite par le scénariste Jean-François Alain, scénariste de OSS 117 et OSS 117-2, accompagné aussi par une autre scénariste, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, il y aura peut-être le nom, qui a été scénariste sur Fais pas ci, fais pas ça. Bienvenue chez moi, dans la forêt, il n'y a rien autour, c'est paumé, il n'y a que des vieux arbres et vieux trucs. On est sur le territoire français, bien entendu. Non, oui, cette série un peu folle, où en fait, on est en 1960, et la série commence sur l'engagement d'un jeune français qui s'appelle Merlot, qui va devenir espion pour la France. Une sorte de stagiaire qui va donc essayer d'accompagner et d'aider les autres agents qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui s'occupent spécifiquement de l'Afrique, avec l'agent Moulinier, avec l'Algérie, avec l'agent Jacquard et le front de l'Est avec l'agent Callot. Il va donc essayer de faire sa place, trouver son positionnement en tant que jeune agent parce qu'il est hyper intelligent. Les autres agents sont un peu cons, gentils mais un peu cons, sont un peu parano aussi. Et il va essayer de faire son petit bisbis ici. Il va se rendre compte que c'est très compliqué parce que les services français de l'époque, ou même tous les services de l'époque, il y avait des choses qui se disaient pas, des choses qui se faisaient pas, et des choses qui se faisaient mais en scred. Et la série, elle est vraiment folle. T'as un côté, le scénariste OSS 117, tu sens la putain de patte OSS 117. Donc en fait, c'est une série qui est sous format de 22 minutes chaque épisode. Il y a 12 épisodes par saison, il y a 2 saisons. À l'origine, ça a été produit par Mandarin Productions, et le mec qui a fait OSS 117 d'ailleurs. Et ensuite, ça a été diffusé par Arte. Bien sûr, Arte l'a diffusé et il y a eu une audience un peu minimale parce que Arte, on sait très bien que ça a une image qui n'attire pas forcément tout le monde. Et donc, au final, n'a pas rendu service à la série qui s'est au final un peu plantée, mais elle n'a pas fait beaucoup d'audience, elle a fait une super bonne entrée, puis à la fin, en moyenne, tu étais à 600 000 téléspectateurs pour une série, c'est pas ouf. Je vais m'asseoir un peu sur un caillou. Et donc, cette série a été achetée par Arte en 2015, elle est passée totalement inaperçue. Alors que visuellement, c'est une série de ouf. Le jeu des acteurs, c'est un truc de ouf. En fait, ça fait vraiment un réel, attention au vent peut-être, c'est un réel mélange avec du OSS 117 et avec du jeu d'acteurs un peu à la Kaamelott, tu vois. Donc des jeux naturels, les acteurs qui jouent, ils sont pas trop connus, j'en connaissais pas, ou peut-être un ou deux que j'avais vu dans des séries télé à l'arrache. Mais le jeu d'acteur est ouf parce qu'il est putain de vrai, putain de frais, et tu fais « Waouh, la série elle est trop forte !» J'ai regardé quasiment les 2 saisons en 2 jours quasiment, et c'est plutôt fat. Alors moi je pensais que les 2 saisons avait été faite en même temps, et donc en fait je me suis trompé. La série, après avoir été diffusée, la saison 1 après avoir été diffusée sur Arte, pendant à peu près 3 ans, c'est passé aux oubliettes, plus rien ne s'est fait. T'as eu Netflix qui a racheté les droits, c'est-à-dire qu'elle a diffusé la première saison et la saison 2.
Mais ce que je viens d'apprendre en faisant des recherches un peu, j'ai appris que la saison 2, en fait, elle est très récente. Elle a été diffusée sur Arte le 5 juillet 2018. Donc en fait, Arte a diffusé la saison 1 et la saison 2. Quoi. Et donc Netflix a racheté après la diffusion, puis elle a diffusé. Donc en fait, c'est assez récent. Hein. Vous allez voir sur Internet, c'est assez récent. Donc si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le voir. Parce que franchement, c'est une série neuve, fraîche, bien amenée. Quoi. Franchement, les acteurs, ils jouent trop bien. Tu as un attachement au personnage, Kalo, qui est le mec, le spécialiste de la Russie. Il est tellement ouf, il est parano à souhait, mais il est tellement attachant. Tu as Moulinier qui s'occupe de l'Afrique, qui lui, mais t'es un putain de ouf. Il balance des punchlines, mais tellement excessives que ça en devient rigolo, quoi. Mais des vannes sales, quoi. Franchement, très très sales, hein. Ultra raciste, quoi, tu vois. Jacquard, le spécialiste d'Algérie, il est trop fort aussi. Moïse, le patron, il est trop fort. Le colonel, il est trop trop bien. Tous les personnages, toutes les secrétaires et autres agents féminins sont putain de bien amenés. Elles sont pas clichés, tu vois. Enfin, je veux dire que même les personnages clichés en deviennent hyper intéressants. Intéressant parce que elles se sortent de leurs propres clichés. Visuellement, tu sens que le mec qui a réalisé cette putain de série est un fan des trucs des années 60, des films des années 60, et les cadrages, les plans, c'est des plans de ces époques-là, mais remasterisés, remaniés à la façon moderne, tu vois. C'est-à-dire que ça reste des plans posés. Si t'as du mouvement, c'est façon travelling, mais les travelling de l'époque. L'ambiance est trop, trop bien faite. Paris des années 60 est folle. Alger des années 60, elle est trop trop bien. Non, franchement, c'est une super série. Je l'ai maté comme un truc de bourrin, et c'est hyper cool, quoi. Si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, de jeter un petit regard dessus, n'hésitez pas, ça s'appelle Au service de la France. Dépassez vos clichés, dépassez vos appréhensions. C'est français, ça donne pas envie. Mais putain, quand tu commences à le regarder, tu t'arrêtes plus. J'ai regardé le premier épisode, je fais d'accord, bon ben on va regarder l'épisode 2. Puis à la fin de l'épisode 2, bon, on va regarder l'épisode 3. Et puis j'ai fait ça, mais sur saison 1, quasiment entièrement une après-midi avec Passe. Et la deuxième, quasiment une après-midi avec Passe pareil. Franchement, n'hésitez pas. Alors, c'est sur Netflix, ça a été aussi sur Arte, donc peut-être que sur des Arte Replay. Je crois que ça existe, Arte Replay. Je crois que ça peut être potentiellement trouvable aussi. Parce que la dernière saison, d'après ce que j'ai compris, elle a été produite et diffusée en 2018 là. Donc ça augure que du bon pour une potentielle saison 3. Parce que franchement, quand j'ai vu la première fois que ça a été diffusé en 2015, la première saison, je fais oh, mais c'est fini, quoi. Je viens de mater une série de deux saisons, il n'y aura jamais de suite, ça va me casser les couilles. Mais en fait, potentiellement, il y a peut-être un petit risque que la saison 3 arrive. Pas un risque, parce que ce serait pas un risque, c'est plutôt une joie. Mais voilà. Donc voilà, donc franchement, c'était vraiment cool, j'ai bien kiffé. Et n'hésitez pas à le voir. Alors en attendant, viteuf, je vais vous montrer un peu le paysage de chez moi. Hein. Alors là, c'est la belle forêt. Ici, j'avance dans les champs. Je vais monter sur les gros cailloux qui sont là, tu vois. Peut-être comme ça, on aura peut-être. Et voilà. Non, franchement, ça fait plaisir de. Bon, c'était petit test de vidéo campagnarde. Hein. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Je cache un peu le vague. Pas trop l'habitude de faire ça. Puis te découverte tranquillou. Il va falloir que je redescende, que j'évite les tics. Parce que là, le problème. J'ai les tics quelque part. En tout cas, les gars, si vous avez l'occasion de sauter, c'est. Oh putain, il y a papillon! Il y a papillon, magnifique! Oh non, ne saute pas! Pourquoi tu t'en vas, connard? Et putain, arrête de me bouger! Et merde! Attention, attends, il y a papillon. Oh. Putain! Je sais pas si je l'ai eu. Mais en tout cas, les gars, je vous dis à plus. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Ridevo à votre service. Je me suis un peu crevé pour essayer de monter. Regarde-moi, putain, ces arbres. C'est pas beau, ça? Les arbres qui sont cassés la gueule de la vie. De la putain de vie partout. Avec des buissons, des arbres, les feuilles. Pour te promener ici, c'est beau. C'est cool. Donc voilà, oui. Donc, je vous dis à plus. Reposez-vous bien. Profitez de vos vacances. Et puis à la prochaine, avec une prochaine vidéo, ou de toute façon dans 10 jours à peu près, avec Passepartout pour un live, je pense. Ça sera sûrement on fera ça sûrement le 28 ou 29 août. Le temps que je rentre, que je me pose un petit coup et que je kiffe tranquillement, pépère. Bon, allez, ciao les gars, à plus.